The last one. Ça va. Il me semble. Est-ce que ce sera le dernier pour moi ce soir? Ok, par là. Ah, on va retourner à l'endroit du début, non? C'est rigolo. Je sais même pas que c'était possible de faire comme tu l'as fait. Allez, on va passer par là, je pense. Yep! C'est quelque chose que... que j'aimerais bien faire de tout explorer, je te le dis. Là, du coup, j'ai pas le temps, mais... Après, c'est pour la cinématique de fin, ça va, tu vois. Je peux toujours dire, ah, c'est la fin, c'est la fin. Ça passe. Juste checker à droite s'il n'y a pas un petit repli inconnu. C'est bien, tu me rassures quand tu dis que t'as mis plus de 200. On verra bien, écoute. Enfin, j'aime pas lâcher, donc c'est un peu embêtant. Mais... je vais voir là parce que dans le il y avait un des trophées, c'était une histoire de fruits. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas moyen. Bah, en plus, là, c'est grimpape. On a regardé les trophées l'autre jour et il y avait une histoire de thé aux fruits, machin truc. À mon avis, ça doit être ça. Où est-ce qu'il est tombé? C'est pas ça? Qu'est-ce que c'est alors ça? Ok. Ah, j'ai trop cru. Ah, peut-être faut tous les manger. Ah si, fruits de la terre, ça y est. Putain, j'avais raison. Mais ça fait très Islande, effectivement, cette zone. Oh là, oh là. Je me regarde derrière, le cheval est un peu plus. Oh ouais, ça fait très très fin, ça. Oh, c'est trop stylé. Est-ce que c'est moi? Est-ce que... Boum! Non? C'est pas là? Attends. Non? Ah bah c'est bien par là. Oh! Mon épée, mon gars! T'as pas essayé de zigouler les piafs? Non? Mais les lézards, mais... Allez, go! Ouais, du coup, c'était moins stylé d'arriver sur la porte vu que j'étais pas en face. Ok. Ok, Nonico. Deux fois. Et demi. Wow. Merci beaucoup. Encore. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'on dit? Tu gères. Ah oui, on avait dit ça cette nuit. Tu gères. Non, mec. Merci. Merci, 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 merci. Par contre, tu les mines, les cheers? Tu les... J'imagine le gars chez lui. Il a un système qui fabrique plein de cheers, genre en regardant mes pubs et tout. Je rigole, hein, bien sûr. Merci beaucoup. Beaucoup. Enfin, plus que ça, d'ailleurs. Ok. Ok.
Je suis... Joie. De ta contribution. Et je te remercie encore. Oula, oula, ça a l'air chelou par ici, hein? C'est Mister Beats. C'est ça. Attends, on peut sauter là? Ou pas. Oh, je vais devoir refaire tout le chemin. Non, mais dis pas, je vais devoir refaire tout le chemin. Dis-moi qu'à la porte. Fin de la partie. Je déteste en fait comment ils écrivent ça. Genre. C'est fini. Ok? It's over. Ah non, c'est bon, on avait fait ça. Oh mon dieu, merci. À cheval? Franchement, je vais essayer à cheval. J'ai envie. J'ai envie. Suffisamment avec les pros. Ouais, voilà, c'est pour ça. Je me doute qu'il y a des gens qui regardent pas avant. Dans ma description, Rattrap. Vas-y, je tente. Je tente. Allez, hop. Oh, ça marche! Ça marche! Oh, putain! No way! Me dis pas qu'on cheval meurt. C'est en mode il peut plus reculer. C'est parti. Bref, il se remet. Ah mon dieu. Ah je suis un peu triste quand même. J'arrête de regarder. Bah non, il est mort. De toute façon ça changera rien. Là ça vaut pas le temps ou pas? Je t'y attendais pas. Ah non, je m'y attendais pas, Xavier. It's a poor world. Ah je suis triste. Heureusement, il y a Fondus. Vous êtes les pires. On peut monter là. Ok, mais il faudrait une ouverture quelque part. Voilà, en tout cas. Ok. Genre c'était prévu ce que je viens de faire, ok. Ça marche. Soit, j'ai envie de dire. On dirait que ça peut casser ça. Bonne idée. Même la super philosophie, oui, il va pas revenir. Mais non mais. Ah c'est ça fait quelque chose quand même. Autant je l'aimais pas dans ses mouvements. Autant bon bah quand même c'était la seule être vivant avec qui je pouvais parler. Ah ouf. Qu'est-ce que tu me racontes? Si tu meurs, tu retournes depuis le point, devant le point écroulé sans cheval, game over, tu reprends le jeu depuis le début. C'était quoi, Yojo, puisque tu t'es fait clean, donc j'ai pas vu ce que t'avais marqué. Ils sont bien, ces modos, quand même. Va le rejoindre. Ça irait plus vite, je serais dans les temps par rapport à mon chéri. Il est censé me rester une demi-heure, mon gars. Je le sens pas, ça. Je vais refaire la même connerie. Mais c'est traître, hein, comme zone. Attendez.
Ça marche, Nico, et encore merci. Of course. Il est bien top chef en plus. En plus! Tu le choisis. Oh le temps, c'est le Kiri qu'on va battre ou comment ça se passe? Ah ouais, ça y est, nous y sommes. Mais il est énorme! Attends. Je peux pas zoomer. Il est ouf en taille! Coucou! Ok. J'imagine qu'il faut que j'aille vers lui. Je. Oh, c'est la guerre! Attends, mais bouge gros! Non mais si tu bouges pas là on est foutu. Est-ce que t'as coupé ou pas? Parce que là c'était pas très accroupi comme situation. Ah bah là il est coincé. Alors là, quand il est parti pour... Le problème c'est que là il bouge plus en fait après. Allons-y. Oui, bah par contre, ça, on voit le passage à part. Ok, bon. Alors, on a un autre pylône ici. Hein. On a rien derrière cet autre pylône. J'essaie d'analyser... Attends. Analysons le champ des possibles. Ah, il y a un trou là, à ma droite. Il y a un trou. Hop là. Ok. Bah non, t'es pas censé me toucher ici quand même. Bon. Allez! Insupportable son recovery time. Vas-y, on va attendre qu'il se soigne. Hein. Tranquille. Il tire à vue apparemment. Ah bah ça. Apparemment, oui. Pas de soucis. Nous allons temporiser. De toute façon, j'ai plus de limite de temps. Fine. J'ai quelque chose d'un message qui vient pour ça. Ok, là on arrive direct. Derrière ça. Donc là ça va. Il n'y aurait pas un autre trou par hasard. En vrai je vais pas trop utiliser mode photo sinon ce serait abusé. Ça se fait pas. En toute logique c'est fait pour qu'on fasse l'enchaînement comme ça. C'est horrible. Si on suit la logique de penser en termes de level design, voilà. Okay. Ah bah nouveau trou. Ouais. Sympa. Pour l'instant c'est sympa.
l'instant j'aime bien. Ça reste du parcours, la musique est ouf. Je suis déjà étonnée qu'il se relève. Donc là on peut monter. On sera quand même arrêté, ouais, on sera quand même arrêté. Enfin, si on peut monter, non, on peut pas. On peut pas monter là-dessus, on dirait. Ah, c'est comme ça. Tac à tac. Bon, là, on n'y tire pas dessus sur cette zone. Okay. Il est toujours au taquet en tout cas. Ok. J'aime bien penser, j'aime bien que ce soit logique. J'aime bien ça. Tu vas tuer 15 de ses potes, il va pas t'accueillir avec des fleurs. Certes. Là, on a un escalier. On a aussi une douve. Donc ça sert à rien. Ok. On va falloir la jouer sur l'escalier. Ok. On est sur l'escalier. On peut direct enchaîner sur le petit muret. Hop. Muret. En théorie. Ah, c'est bien, ils nous ont pas laissé 4000 possibilités. C'est vraiment logique, c'est cool. Hop, on arrive plus. Donc c'est plus la dernière roulade. Hop. Deux roulades. C'est à ça que sert la douve. Ok, ok. Deux roulades sur le deuxième. Mais qu'est-ce que tu fais par contre quand tu fais ça? J'adore ça. Ça, tu vois, il y a une qualité en termes de façon, tout le jeu a cet aspect, je trouve, où tu peux trouver sans indication, faites ci, faites ça. Ils te disent pas au début, plantez votre lame, machin. Bon, après, t'as le truc d'hormine qui t'aide un peu, etc. Si t'attends, mais d'arriver à conduire le joueur, à comprendre comment ça marche, c'est génial. Et là, c'est pareil, le cheminement, il est fait de façon logique, je trouve ça vraiment top. Et sur les monstres, ça a à chaque fois été en mode logique. Donc ça, c'est une vraie qualité, bien sûr. Le nombre de fois maintenant que les gens me disent « Ah, ce jeu, il est compliqué à comprendre, machin. » On me le dit d'ailleurs sur Monster Hunter. Je suis dans ses pieds. On me l'a dit sur Destiny, on me l'a dit sur plein de trucs. C'est pas les mêmes types de jeux, mais voilà. Là, ça monte pas. Bon, je suis sous ses pieds. Je pense qu'il y a une sauvegarde. J'essaie juste de voir par où je peux passer. On est bien ici, en société. Simplement par là-bas. Il a des tongs. Attendez. Il a des tongs. Eh, je peux pas prendre en photo ça, ça spoil.
Les gens n'aiment plus avoir à chercher, ils aiment bien quand c'est tout cuit. Clairement, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, malheureusement, d'assez fréquent. Faut dire ce qui est. Ah, ça ressemble bien à un truc que je peux. Ok, cool. Et pourtant, c'est tellement plus intéressant un jeu comme ça où. Où tu. Tu réfléchis un peu et puis boum, ça tombe, quoi, c'est bon, c'est top. Le héros, même pas de la taille d'un truc. Ah, c'est trop marrant. En vrai, quand tu y penses, t'es juste sous le boss là. Parce que j'ai joué. C'est donc. Attendez, je me trompe à chaque fois de nom. Game Gear. Avec Sonic, c'est ça? C'est bien Game Gear? Celui qu'on branche parce que c'est déchargé au bout de 10 minutes. Et que j'ai possédé, c'était une Game Boy classique avec Bugs Bunny et Pokémon Bleu. Game Boy classique, c'était ma cousine qui l'avait eu dans une brocante. Voilà. Pour mon anniversaire. Pour mes 8 ans, je crois. C'était à la sortie de Pokémon. Voilà, ça fait 7 ans. Pour mes 7 ans, alors. C'est 2005. 2005. C'est 95 Pokémon. Si je réfléchis. Game Freak, machin truc. Tu te rappelles du launcher? Donc c'était pour mes 7 ans. Parce que je suis dans 88. La crise. N'est-ce pas. Faut aller dans ses mains, c'est ça? Bon, je tape. Sa réponse, vous en êtes un chemin. Ah, c'est ça, ok. Ah, bah ouais. Belle réponse. On remonte, c'est pas grave. Oh putain, je suis redescendue, excusez-moi. On va refaire. C'est ouf l'envergure de Smith. Putain de phalange. Le pire. Non mais c'est le pire, je suis sur une phalange. Faut pas arrêter de bouger, vas-y, j'essaie de le taper. Ok. Ça marche, je vais dire stop. Vas-y, je t'en. Ça tient. Faut que je récupère mon endi en fait. Okay.
Attends, on va refaire. Ok, oh putain. Waouh. C'est ouf. Putain, du coup, il doit falloir faire pareil, je vais le taper. Il a une bonne tête en vrai. Une photo là? Ouais, t'as raison. Grave. T'as tellement raison. C'est quand même pratique qu'ils aient des poils, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Je pense qu'on va remonter sur le dessus. Là, il faut que. Oh, vas-y, respire. Parfait. Mais c'est trop stylé quand il le regarde comme ça. Mais regardez cette photo! Oh my god! J'ai la meilleure photo. Avec le petit bonhomme. Mais ça spoil de ouf. Donc je peux pas la tweeter. Oh, fais chier, ça spoil grave. Enfin, ça spoil, mais en même temps, c'est un remaster quoi. Elle est au top cette photo! C'est un jeu sorti en 2005, je pense qu'il y a prescription. Ouais, c'est sûr. Ça mettra plus tard. Ouais, je peux attendre un peu qu'il... Mais là, elle est magnifique, quoi. C'est genre, il n'a pas l'air méchant. Bien. Ouais, je peux taper là-bas. Ok, ok. Ah, c'est trop bien fait, hein, c'est pour qu'on progresse. Non! Oh non, je dois tout faire. Oh non. Je suis pas morte, mais voilà quoi. Ok. Il est sur sa tête. Il a quand même une barrière sur l'épaule. Hein. What the fuck? C'est la terrasse pour les aventures qui me surprennent. C'est quelqu'un, je suis sûre. T'as fini, hein? Enfin, on pense à aller faire une pause, je pense. Pas ce coup-là. Enfin, s'il veut bien bouger, en fait. Parce que là, il veut même plus... Là, je vais aller tempo. Sur la terrasse? On va tempo sur la terrasse? Laisse-moi aller sur la terrasse.
toi. Non, là il se remet plus. C'est chiant parce que ça. Ok, ça c'est un bon coup. Le petit tempo, je pense que c'était très bénéfique. Hein. Ah, mais il bouge tout le temps. Elle a claqué mon cou aussi. Ah mais là il veut plus hein. Je vais retourner tempo hein, tant pis. Oh, il manque un coup. On va voir le tempo. Si j'arrive à rester accroché jusqu'à pouvoir tempo. C'est pas dit. Ça c'est pas cool. C'est pas cool ce qui vient de se passer. Allez, monte. Ouais, il remonte. Allez, remonte. J'ai pas besoin de beaucoup. Elle a encore un coup après ça. Comment il manque bien là. Un coup, on est tranquille là en terminant. C'est pour toi, mais... Oui. Yes. Je suis contente. Ouf. Mais on n'aura pas mis une demi-heure, on aura mis 3/4 d'heure. À cause de ce saut que j'arrivais pas à faire. Que j'ai fait direct du premier coup là-bas. Au moins on n'est pas mort. On est mort sur le début quand ils bombardaient. Allez, regardons ce qui se passe. Je me tais.
Idorani. T'aurais trop cru qu'il y tapait une petite discute. Ouais, alors ouais, mais tu sais pas ce qui s'est passé le week-end dernier. Oh my god. Oh, il a lui-même le sang de démon. Non mais je comprends, je serais pareil pour mon chien. C'est vrai. Ça fait trop ça, t'as raison. Titus. Côté obscur. C'est le 17ème quoi lui en fait. Une perso j'en trouve une autre. Mais non. Mais non. Ah je pense que c'est sa meuf. Enfin pour en aller jusque là, STF c'est sa meuf.
Après, t'as beaucoup de choses pour mon frère, mais faut pour aller jusque genre en mode comme ça là. Ce serait mon chéri. Ah, je suis une araignée. Ah, c'est dégueulasse un peu. Ah, je pense que tout c'est ça. Là. J'entendais pas comme des pleurs. Depuis tout ce temps, le Dormin en a profité en fait et tout. Ah, c'est ouf. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'il nous a conduit à ça. Il devait faire quelque chose là. Oh, je me suis défoncée. Vous n'êtes pas prêts. Bref. Vraiment bouger. Ah, je suis obligée d'avancer en fait. Je crois que je suis obligée d'avancer. Je vais pas dire bêtises. Mais... ok. Bon. En fait, je suis de dos. Excusez-moi. Toujours un problème de rotation dans ce... Je pense que le bonhomme est en faux. Ah. Regardez comment il s'enfuit. Ils sont ridicules. Oh, dis-moi qu'on se retransforme et que notre meuf... Oh là là, j'espère. Please. Please le jeu. Please. Allez. Non mais vous fuyez là, l'espèce de secte. Non, 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 non. Il va lui planter, il va se sacrifier, c'est ça? Ah non, il a balance. Il a allumé le gaz. Non, mais il faut qu'il reste au moins nous. Je crois qu'il reste le guerrier. S'il te plaît, tu dois résister. Non. Et là, je glisse. Non. Non.
Mais dis pas qu'elle se réveille, je suis plus là, parce que là c'est le pompon. Les autres qui se cassent sur le viaduc. Ça c'est badass. Ça c'est très très badass. Sachez-le. Non, parce que si elle se réveille et qu'il n'y a plus son mec, il a l'air bien con de l'avoir réveillé au final. Enfin, réveillé, vous avez compris. Hein. C'est comme avec les enfants quand on dit ils sont partis loin. Ah bah non, on voit le viaduc. C'est ça. Enfin. Naruto! Je m'appelle Sakura. Ça fait toujours Sakura les filles dans les trucs japonais. Comment elle se lève en mode c'est cool. Quelle belle journée qui commence. Il est l'heure de se lever. Cheval. Tu dis pas la lune. Ah mais il est vivant. Alors ce cheval, c'est un génie. Se pose pas de questions. Il est pas mort, mais le héros est mort. Oh, mais non. Mais j'y crois pas. Mais non. You touch our lives every day, encouraging. Ça c'est triste quand il y a un truc comme ça à la fin. Oh bah tu prends une corde et tu descends. Enfin quand même. Ok. Oh please. Please, please, please.
C'est vrai, Ramichou? Ramouchi, j'allais t'appeler. C'est ouf par rapport au premier graphiquement. En tout cas, elle est pas pressée, c'est ça qui est bien. Elle va finir dans un film droit. What the actual fuck? Bon, ça va, elle est jeune, ça peut le faire, mais quand même. Oh, il a des cornes! Mais non! Wow, mais le cheval, arrête. Le cheval qui donne trop, tu sais. Arrête maintenant, le mec il a décidé de monter la tour. Peut-être pour sauter, je ne sais pas. Le gamin dans Ico a des cornes, c'est ça? Attendez, je vais vérifier du coup. Il est mignon, mais oui, moi je trouve ça mignon. Ah, attendez. Ico. Tac. Ah oui, c'est vrai. Mais il a un casque à cornes, non? Il a pas des cornes à la base. Il a un casque à cornes, effectivement, dans Ico. Oui, le personnage de Ico a un casque à cornes. Je peux vous montrer une image, vite fait. Hop, tac, tac, tac. Tac. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, il a des cornes. Et du coup, celui-ci était sorti en 2005 et Ico. Oh putain, la vie revient. Ça c'est chelou. Ça c'est ouf. Ico est sorti en 2001. Ah du coup, c'est un clin d'œil par le passé du coup. Dans Ico, il l'enferme dans une sorte de forteresse en ruine car il a des cornes, il me semble. D'accord. Ok. Eh bien, cette fin. Limite, j'ai envie de mettre juste la fin sur mon let's play. Je sais pas si les gens vont vraiment regarder le let's play. Faut que je vois. Faut que je vois ce qui les motive. Ah, mais le Bambi symbolise le retour de la vie dans cette zone. C'est plutôt positif. Par contre, si tu pouvais soigner le cheval, ce serait pas mal parce que. Oh, le musique est trop bien. What a plot twist. Trop. Grave bien. Grave, grave bien. Ouais, je pense, Ramushu. J'ai vu une théorie comme quoi ça pourrait être un préquel à Ico. Ce serait logique en tout cas. Enfin. Tout porte à croire que. Bienvenue à toi, Xanor. Demain, le héros de Ico est rejeté par son village car il a des cornes, ce qui porterait malheur au village. Ok, donc c'est vraiment. C'est ça. Excellent! Du coup, faut que je fasse Ico. Mais il n'y a pas Ico au Remaster. Si, oh, je le ferai. Je le ferai volontiers. On peut juste faire Last Guardian.